M'pas besoin de dire comment bandi au lever matin hein, puisque nous connaissons depuis samedi. Gagnon avion CP-140 Aurora Canada cap volé dans le ciel pays d'Haïti. Avion ça qui t'a volé hein, c'est pour capable joindre bon gens information, garder qui côté gang yoye et pour capable aider autorité dans pays d'Haïti yo mettre sécurité dans pays. Nouvelle ça, c'était ambassadeur Canada, Sébastien Carrier qui t'a annoncé. Et nous prenons quelques jours après, ministre Affaires étrangères Canada, Mélanie Joly, qui pral fait qu'on est avion ça, qui principale mission perturber gang. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, avion allé hier, les fins joignent toute information nécessaire, les fins perturber les gangs, et puis sortant de là, les lagues pieds. Mais nous capables de rappeler nous tout, depuis divers jours, la police a mené une opération tête chargée dans la base Vite l'Homme, zami chef police là, zami premier ministre, zami secrétaire palais national là, Josué Pierre lui. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Vite l'Homme, bon côté parle, annoncé mal. Et type ça, debout elle dit on bagaille, l'a fait quand même. Bon, en ce sens, n'a posé question. Pour ça, Vite l'Homme annoncé là, est-ce que la police a prétendu l'ordre dans mes premiers ministres, dans mes palais nationaux, parce que nous connaissons type ça lui-même, lui pas joué. Et qui est-ce qui mettait Vite l'Homme dans le niveau ça? C'est monsieur SDP, c'est membre gouvernement, puisque Vite l'Homme dit le clé. Monsieur Sayo qui l'a, eh bien, pour yote rive dans tête pays, c'est sacrifice qui te fait, c'est ça yote coulé. Donc, monsieur Odoel, faut que vous payez. Yon dossier n'a pas suivre de près. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Gay Matt Newton Saint-Justou qui parlait sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, je nous tout te connais dernièrement là, FBI débarqué, vin prend 4 messieurs qui étaient dans la pénitentiaire nationale, nous avons cité dans tous les présidents, ou Gay Solage, ou Gay Vincent, ou Gay Pasteur Christian Emmanuel Sanon, ensemble avec Yon Colombien qui est Libéra. Donc, 4 messieurs sa yo, yo aux États-Unis actuellement. Donc, en tant de déclaration, M. Newton Saint-Just, nous connaissons un avocat à l'État qui tape travail et jusqu'à présent qui continue à travailler sans camper sous dossier Sojourner. En nous suivre, déclaration, l'ensemble avec, c'est extrêmement important. 19 mois depuis que des assassins colombiens employés, payés par des mouns qui vous placez dans le gouvernement haïtien, dans la société haïtienne, et il y a des gens qui même pensent que il y a des gros mains, des gros têtes qui, soi-disant, ou peut-être t'es au courant, mais pas de dire, pas de faire, parce que l'endroit ça tape dans l'intérêt. Maintenant, merci pour l'occasion que nous avons moins pour moi et refixer position qui toujours maintenant pas changé, même là nous avons des mouvements qui a fait au niveau de la justice américaine ce dossier ça. D'abord pas oublier que nous te dit que faut toute option yo sous table. Que c'est ce dit là tout à l'heure des informations qui sont depuis un avril en République dominicaine qui dit que gagne 20 millions de dollars américains t'est passé et sous territoire dominicain ou bien un système bancaire dominicain pour assassiner Jovenel Moïse. Faut enquête là. Et je ne sais pas si c'est une enquête américaine ou une enquête haïtienne dans la même maison qu'on est. Et nous, ni la justice haïtienne ni la justice américaine peut aller dans ça. Nous ne parlons pas de ça. Et tout au sur ce tableau, il y a des gens qui pensaient que Jovenel Moïse, au moment côté que il a fait un pile mouvement pour te rapprocher de certains pays, de la Turquie et la Russie, le Venezuela, et pas oublier que le mourir environ 2 semaines à 2 semaines et demie après que le sorti en Turquie. Non, bagaille que vous ne pas comprendre, pas même qu'il comprendre que qui rapport que nous avons suffisamment avec la Russie pour avec la Turquie pour nous donner une sorte de forum et que ce n'est pas qui a été inventé. Donc, et vous estimez que c'est un moyen que Jovenel Moïse a créé pour te faire rapprochement vers la Russie et la Turquie, Venezuela, tout, parce que monde qui proche Jovenel dit que il dit que lui ouais et malgré ça le fait comme allié et américain contre Venezuela
et malgré position toujours gagné et dans à compte des pays frères et dit ouais que et la communauté internationale en particulier les États-Unis c'est comme c'est à dire passer dans la visite faut les sauver et faut les jouer de moyens et politique maintenant c'est dans ce sens ça nous que tu as un rapport diplomatique qui était prend qui était établi en Haïti là aussi un paquet d'autres activités de janvier à juin 2021 un centre de action de rapprochement qui est fait par président Jovenel Moïse vis-à-vis du pays sur une société la guerre qui pensait que donc pour des raisons géopolitiques le président Jovenel Moïse t'a assassiné. Et là on dit tout faut ne pas oublier que monsieur était un pire ennemi des monde qui te gagne des contrats multimillionnaires et puis yo t'a gagné intérêt pour assassiner et nous connaissons des interventions que Jovenel Moïse te fait par exemple la question APN et des monde qui te doué APN environ 18 millions de dollars depuis en 2003 2004 et te préfère encore ça au lieu d'APN puis elle fait GNB pour te jeter jamais dans Aristide. Et c'est pendant le carnaval pour le père, j'étais dans les mises à jour, j'ai annoncé ça que Mounsaro, il a décidé de payer, il va nous faire action contre eux. Il y a des gens qui étaient doués, et l'État haïtien, et puis qui viennent payer 700 millions d'euros d'un seul coup. C'est des gens que ce n'est pas action que nous autres, par exemple, avocats de l'État, nous avons fait. Si ce n'est pas direction ça que Jovenel Moïse a fait, eh bien. Il n'y a pas de gens qui viennent payer l'État. Il y a un paquet d'exemples que nous avons cité et nous connaissons et qui des autres qui ont gagné dans la question. Et les gens qui ont fait l'argent dans le vent d'État courant, par exemple. Et l'autre prend iTrack qui juste qui a fait un petit boive avec Okaï. 1 million de dollars par mois et puis faire plusieurs années pour faire un petit boive. DDL qu'on a acheté pour le gaz à l'année, ça coûte ça l'État ici dans le café. Mais les gens qui ont fait l'État ici l'argent, il y a action qui est entreprise pour ça. Et sans que nous n'ayons pas besoin d'entrer dans la question sous-générale que tout le monde connaît. Et je vous dis à la 54 millions, pas 54 encore, c'est 58 millions, parce que chaque mois, il y a 1,4 à 1,5 millions de dollars, nous attendons que l'État essaie de payer, parce que si on ne va pas courant, on est dans le contrat, on est dans l'exercice. On est dans le contrat. Et on est toujours joint l'agence à dans l'État haïtien. Donc, c'est des bagages qui font penser que. Il y a des gens dans le secteur privé. Il va dire que non, mais il y a des gens qui sont dans le secteur privé qui ont intérêt et assassiner Jovenel. Et il y a des gens dans le secteur politique là tout. Et qui pensaient que Jovenel n'était pas l'homme. Même le secteur politique là, que le PHTK, que le TNDU PHTK, Jovenel avait des ennemis. Et le fait, dans le monde, nous, qui n'ont dossier ça, soit à travers le rapport de CPJ avec le FBI pour la justice haïtienne. Et qui aux États-Unis tout nous voit c'est que dans tout secteur dans secteur la justice secteur politique secteur religieux donc Jovenel pas assez pour le mourir si nous besoin nous même la vérité comme citoyens parce que nous toujours dit que crime ça c'est pas seulement un monde nous prison c'est pas un bagaille qui fait par des monde fou. C'est un crime assassinat au président et qui n'a pas qu'à être mis là-dedans. Donc, dis-nous à bon port, nous ne sommes nulle part. Ni en Haïti, ma proche c'est dans les États-Unis, ni aux États-Unis, ni au Brésil. D'abord, en Haïti, le système est tellement faible. Et les gens qui ont assassiné Jovenel, qui ont intérêt à assassiner, il y a même un an qui a passé pour assassiner Jovenel, mais il y a intérêt là-dedans, je veux dire. Donc, il y a intérêt pour Jovenel de justice. Donc, Mounsa a fait tout ça qui est possible pour bloquer le dossier. Et quand on a parlé de justice pour Jovenel, nous avons toujours dénoncé ça, nous avons assassinat permanent de Jovenel. Nous avons une question de la justice là. Qui est-ce que Jovenel a parlé de, par exemple, Lila et le rêve assassiné. Moi, je dis que Jovenel a dit qu'il était venu faire. Tu es même gagné à travers l'équipe de caravane. Des gens qui juste dans Marie, des gens qui juste dans Grand Danse, ils disent ouais monsieur, t'es quelqu'un qui t'a fait dans 4 caravanes. Quelqu'un qui dit dans l'opposition, ou tu n'as pas bien fait, il n'y a pas de qualité, eh bien, il a commencé à craser. Depuis là, il a fait craser, mais quand il y a un pouvoir, il ne s'est pas bouché tout.
pour ça pas arranger route ça. Gagner 60 mégawatts courant dans Carrefour. C'est usine ou c'est Pral et Central qui t'a vu plus courant dans pays. Mais depuis avant Jovenel Moïse, il va l'inaugurer un mois avant l'inauguration de la route Carrefour Matisse à bloqué. Dans Zambaptine, ça pas jamais été fait. Pour que ça augmente le monde Carrefour, il n'y a pas mettre Central ça en fonction. Donc, comme si vous avez volonté, tout ça que vous Jovenel là-dedans. Or, Jovenel n'a pas l'argent, pas l'été fait Central ça. Ou pas les caravans n'y a pas, c'est pas l'argent, pas c'est l'argent nous. Pour qui ça depuis Jovenel Moïse? Nous pas jamais entendu annoncer un millimètre, pas un mètre non, pas un centimètre, un millimètre route faite dans le pays. Pour est-ce que c'est quoi qui va gagner? Donc si on assassinat, excusez-moi, assassinat permanent, même dit que donc il y a tellement de force dans le pays, ni au niveau judiciaire, ni au niveau politique, il a bloqué le dossier. Mais maintenant au niveau international, je dis là, la direction américaine qui va aller là, justice américaine, non, c'est à faire par l'abri, par exemple. Il a été appliqué le 28 avril, il m'a dit appliquer une loi que le CIPA, c'est Classified Information Procedures Act. Ça veut dire que des informations, des documents qui ne peuvent jamais rendre public dans le cadre du dossier, même à la défense. Parce qu'il s'agit de la sécurité intérieure des États-Unis. Ça veut dire vraiment. Mais qui est-ce? Qui a pour sécurité intérieure des États-Unis avec assassinat? Je viens à mes conditions, ça, alors que c'était plus guerrier. Et je viens de dire le dernier. Donc, même là encore, et la vérité sera et pas seulement tortillée, mais la vérité pourra suivre une route je dis, sinueuse et la vérité pourra bendre la vérité, pourra couper la vérité, même là, il va dire un bagage de ces États-Unis, ce sera leur vérité, mais ce ne sera pas la vérité. Donc, dans les deux sens, nous sommes capables de dire que le dossier pas avancé, j'en ai pensé là, c'est intérêt et seulement qui a servi. Parce que si pas des intérêts vrais dans le dossier, grand peu le monde, au moins autant de gens qui ont des intérêts à assassiner Jovenel Moïse, ni ici, ni l'autre bord. Et aux États-Unis, des gens qui ont participé dans le complot. Aux États-Unis, il n'y a pas de machine des Américains qui passent des travail pour le système américain, pour le gouvernement américain. Et pour qui ça, je dis à juge haïtien, pas jamais demandé pour que gagner une coopération pour un juge ou la justice dominicaine aider à ramasser information sur ce qui est passé en République dominicaine. Pas même parce que vous avez 20 millions de dollars qui est passé dans le bon, parce que c'est le dernier côté. Comme il a été passé à l'origine assassiné Jovenel, donc il y a des éléments au cas là. Alors, et malheureusement, il y a des gens qui pensent que le mouvement qui a fait dans la justice américaine a gagné pour objectif ou bien la vérité. Là, il ne faut pas tromper nous, c'est peut-être une vérité. Parce que la dame dit que toute option est résoudable là, toute piste, on ne peut pas oublier que le crime s'est planifié aux États-Unis par trois citoyens. Américains, ils ont immigré comme citoyens américains, c'est Arcangel Fretel Ortiz, Antonio Anteago, avec quelqu'un même pays. Mais, dans le même temps, tout, gagnant Arcangel Fretel, qui sont venus à l'étape de travail pour dire avec FBI, la tenue l'armée colombienne. Et, dernière information que nous avons, c'est que M. Dans le moment, assassinat Jovenel, il était toujours au travail comme agent, service d'intelligence américain. Et, CTU, qui s'est compagnie de sécurité, ça a été écouté pour un groupe d'assassinat de Jovenel là, a fonctionné jusqu'à présent. Ça t'a été considéré comme une organisation terroriste. Moun ça a dit là, en particulier quand il a été la marché dans Miami. En décembre, en octobre de l'année dernière, il était gagné rendez-vous dans le tribunal pour contravention le bras. Donc, pour qui ça la justice américaine pas jamais dit rien à Mounsa, il y a un lot encore agent, moun qui travaille au plus haut niveau. Dans l'administration américaine qui joue crime dans les Colombiens engagés, les criminels engagés, c'est eux-mêmes aux États-Unis après les Goudio, faire votre pouille, ça va passer là, et va ça qui est planifié. Donc, il faut comprendre, il faut lumière faire tout ça. Ça fait deuxième élément dans le point de vue, c'est que faut que la communauté internationale, en particulier les États-Unis, clarifie position. D'ailleurs,
monsieur ça allait venir dans la coupe cage mais c'était uniforme direct et sur une dit opération dire à minuit 1h du matin et le bagarre là fort gouvernement haïtien retirer discrédit ça sur lui parce que les plus hautes sphères du gouvernement haïtien et de la société haïtienne bien entendu qui participent dans le crime non pour exemple depuis dossier ça a existé aux États-Unis le gouvernement haïtien n'a parlé aucun monde qui représente le tribunal et qui n'a pas d'intérêt. Or, il s'agissait d'un président haïtien et d'un atteint contre la souveraineté du pays. Ça ne veut pas dire rien pour un gars dirigé là, parce que je viens de mourir déjà. Deuxièmement, gagner des gens qui sont en prison ici, que la justice haïtienne déjà attendait. Certainement, je comprends que la coopération entre deux systèmes est capable de gagner et coopération, capable de gagner et échanger d'informations, même extradition. Et maintenant, ça crivé. Qui j'ai fait dans la bouche, ministère de justice américain, maintenant déjà. Pas même bon communiqué du gouvernement haïtien qui vous dit maintenant qui date. Je t'ai écrit au monde de ça, mais pour qui ça vous fait ça? C'est d'abord pas respecter nous comme citoyens, ne pas respecter tête comme monde cap. Qui c'est autorité haïtienne. Bon, là, nous dit clairement que c'est des gens qui sont fonctionnaires de l'international. Et plus encore, ils sont des espions. Ça va être fait mal. Vous voyez, on a dirigé le pays comme si c'est des espions internationaux. Là, oui. Et c'est celle ça qui a fait international la plaisir qui est important pour eux. Et, mais ça, c'est une question de bon sens. On va voir comment ça passe. C'est les 20 au matin, vous entendez, il a transféré, il est allé, il est arrivé. Nous ne parlons pas de ça. Par exemple, nous avons poursuivi ça, non. Pour ouais, ça, non, tu risques par le temps la justice haïtienne pour le faire toute ville en prison. Mais aux États-Unis, ça m'a fait un prison d'après. Par contre, si nous, ouais, et mieux cela. Maintenant, ça qui est fondamental, est-ce que toute action ça va mener vers les auteurs intellectuels de ce crime? Ça veut dire que moun qui t'est payé, qui est-ce qui t'a gagné intérêt, qui fait toute opération, par exemple, Walter Bentemia, qui soit dit pour recruter Banzi pour venir tous les jours, on a qui businessman. Mais il faut qu'on qui est CDL. Même chez la marche aux États-Unis. Donc c'est des gens, c'est des agents de système intelligence américain. Donc nous pas dit que pour apprendre quelque chose, par exemple, pendant l'été, dans le moment, il était toujours agent. Si je ne dis pas que l'on est déçu pour l'assassinat de Jovenel, mais il faut que tu aies une explication sur ça. Il y a un rappel que Antonio Andriago, qui est une propriété de City en Haïti, quelques jours avant Jovenel mourir, et puis l'avocat dit qu'il était même à l'ambassade américaine pour venir dire ce qu'il fait. Et nous, ça a marché Miami sans question de gens. Il faut nous préparer ici à comprendre que tout ça qui a fait dans le système international, ce n'est pas dans l'esprit ou dans les intérêts ou dans l'intérêt de la vérité, mais c'est dans l'intérêt du monde ou pays qui a fait. La dernière chose que nous avons fait comprendre, c'est que nous avons un mouvement et pendant une constante dans le dossier, ça, qui dès le début, c'est une campagne de diversion qui a fait pour trouver la vérité. Par exemple, immédiatement après l'assassinat, il y a un journal colombien qui dit que c'est Claude Joseph. Nous avons écrit les notices Caracol. Et puis, nous gagnons après New York Times qui dit que c'est des gens qui devaient chercher. On lit ce qui est non, on dit les drogues. Même là, il y a 20 millions de gens qui donnent pour faire toute opération ça pour venir chercher mon liste. L'autre jour, pour y entendre, mais Amiral dit que son corps qui est là, quand je venais, et il devait venir voir. Et nous parler de questions. L'argent passe en République dominicaine. Et gagner un homme qui a arrêté, qui dit lui-même, c'est coup d'État qui a fait le pouvoir pour changer le pays. Emmanuel Zanon et autres. Donc, gagner une campagne de diversion. Là, nous prenons le journal Le Monde depuis en janvier 2022. Lui-même, il a dit que cette affaire de ZAM. Et non, il n'y a pas les, ou bien les machins de drogue, machins de zam, non, pas de bagaille comme ça. Il y a l'autre journal qui dit que, fuck, CIA
ta bas explication parce que c'est pour des raisons, pour des décisions, ben, pour ben, des raisons géopolitiques, je viens de terme. Voilà, ou t'as des déclarations, mettre Newton Saint-Just, rete connecté, puis t'as 7h pour une autre vidéo. Déjà, bonne journée, bisous, bisous, on love. M'ramasse paquet moi, cause habitant pas misé la ville, m'prale. Mais m'ap kito na bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui capable protéger ou, ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.